إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. Nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, nous avons la paix et bénédiction de Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, frères et sœurs en islam, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans le Coran et hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il y a quatre enfants qui finissent causer avant Zotléa. Bonnes enfants, 2-3 mois, qui normalement pas capables de causer salaz. 2-3 mois. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, parfois, il fait un bon miracle. Allah subhanahu wa ta'ala, parfois, il fait un bon miracle, karama, pour manifester son pouvoir. Mais aussi, Allah subhanahu wa ta'ala, il fait ce bon miracle-là pour les récompenses. Enjimon, ou bien les défendre, dignité et l'honneur, c'est un djimon. Et deux de ces bons enfants-là sont mentionnés dans le Coran. Dans le surah Yusuf, Allah subhanahu wa ta'ala peut dire « Qala qailum » quand madame qui t'y tente, Yusuf alayhi salam, et les finakises Yusuf alayhi salam, قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها وشهد شاهد من أهلها quand madame la dit Yusuf alayhi salam fin rod prend l'honneur. Alors Yusuf alayhi salam fin dit non, هي راودتني عن نفسي, c'est lui qui fin rod piègement pour confirmer commettre l'adultère. وشهد شاهد من أهلها, un témoin fin témoigner. Qui ça témoigne là, ça? C'est un petit bébé qui n'a pas gagné droit causé dans sa lase là. Deuxième, dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans surah Maryam conversation de Isa alayhi salam quand Benjamin fa asharat ilay, quand Maryam alayhi salam fin vini, quand les filles finissent à coucher et tout seul, sans que personne connaisse, dans l'espace, quelques minutes ou bien quelques heures, les filles veulent dire faire grossesse, les filles en voie de famille et les filles gagnent ces enfants-là. Allah subhanahu wa ta'ala crée Isa alayhi salam dans le ventre de Maryam sans un papa. Alors donc, quand il finit venir avec ce petit bébé, Benjamin finit dire, mais comment tu es capable, ça veut dire qu'il fait quelque chose qui n'est pas bizarre. Fait acharat ilay, Maryam alayhi salam finit un signe, finit dire, mais qu'est-ce qu'il dit? كيف نكلم من كان في المهدي صبيا. Alors, Benjamin finit dire, mais comment Maryam, comment nous pouvons avoir cause avec un petit bébé qui s'alase là pas causé? Alors Isa alayhi salam fin causé. Qala inni abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyya. Moi, mon esclave Allah, un esclave Allah qui Allah subhanahu wa ta'ala pour donner-moi le livre et pour faire-moi venir un prophète. Ça, c'est deux enfants, quelques mois, quelques jours. Isa alayhi salam, quelques jours. L'incausé, alors qu'il veut dire, vient au monde excepté dans quelques instants, dans quelques jours. Ensuite, nous avons un petit bébé dans Ben Israël, veut dire dans Qaum Moussa alayhi salam, le peuple de Moussa alayhi salam, c'est un monsieur appelé Jureyh. Jureyh, lui, il y a du monde qui est très religieux. Il est très religieux. Mais il fait une erreur. Il
passe tout son temps dans l'ibadat, mais il n'a pas fait des choses aux responsabilités vis-à-vis ben les autres du monde, ben l'obligation qu'il a l'ori. Ben l'obligation qu'il a l'ori, c'est d'une droit sur maman, sur parent. Un musulman n'a pas dit faire ibadat. L'ibadat est obligatoire, il y a ben ibadat qui est appréciable, mais il y a ben les autres obligations apporte sunnat nafil. Alors, donc, ce moment, tu donnais une malédiction, une longue histoire. Là, tu as une madame qui t'y tente lui pour faire zina. Il refusait parce qu'il a ce problème, il se fait ibadat. Li. Il n'est pas content, madame, il n'est pas content, non. Et même son maman aussi, il n'est pas écouté. Il fait ibadat. Li. Alors, tu as un BSG, sa madame qui t'y tente, Jureyh, qui Jureyh fin refuse lui. Alors, BSG là, fin fait l'adultère avec sa madame et les filles donnent naissance à un enfant, un garçon. Alors, quand madame là n'est pas vengeance, les filles disent non, ce garçon là pour Jureyh ça. Parce que Jureyh, tu refuses lui. Jimon commence en colère. Ils ont devenu une crasse sur place que tu fais ibadat. Mais Jureyh, sur relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, Allah est très proche avec Allah, il doit ibadat Allah malgré qu'il ne fait une erreur. Alors les filles, viennent que sa garçon là, sa petit bébé, quelques jours de cela, les filles prennent naissance, ils disent, mais que c'est notre papa, cause vraie. Pour Allah, que c'est notre papa. Il dit, BAG qui est mon papa. Alors ça, c'est troisième enfant qui fait une cause dans l'espace, veut dire, fait né un jour, des jours. Vous êtes fait une causée. Mais, en fait, nos sujets, plutôt l'eau, servante de Pharaon. Servante de Pharaon, ces histoires-là, beaucoup de gens ne pas connaissent. Dans le hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, pas d'un seul nom, appelé Mashita. Mashita binti Firaoun. Mashita, pareil comme dans tout ban château, ban le roi, il y a ban servante, il y a cuit manger, il y a fait nettoyage, il y a li au service personnel de ban princesse. Alors donc, Mashita li dit au service de la fille de Pharaon. Pharaon s'identifie. Ça, madame là, si elle travaille avec la fille de Pharaon, lui, ce travail seulement peint les cheveux de la fille Pharaon. Ça, madame là, lui fait accepter Dawat Moussa alayhi salam, qui veut dire le civil musulman. Il embrasse l'islam en secret. Mais il arrive un incident côté là. Sans qu'il y ait Finatan, son identité fin connue, il fin divulguer lui-même sur l'islam. Pendant qu'il y avait peint cheveux de la fille de Pharaon, peint fin tomber. Alors il baissait pour lui trapper sa peint, il dit Bismillah. Ça suffit, il dit Bismillah ou bien pour nom au papa. Parce que Pharaon, les filles prétendent qu'il est même bon Dieu. Ana rabbukum al-a'la. Il s'est dit, moi, je suis Rabb, le très haut. Et il tient pour ça le tout du monde. Pour croire qu'il dit Allah. Malakum min ilahin ghayri. Je ne peux pas aucune divinité à part de moi. C'est ça le message de Pharaon. Alors donc, Tifila fin en colère. Qui fin mentionne le nom d'Allah. Alors que si besoin, mentionne le nom de Pharaon. Alors, madame là, il dit avec Tifila, oui, mon Rab, c'est Allah. Mon Rab est Rab de ton papa, Allah. Conviction, iman. Mon Rab est Rab de ton papa, mon Rab est Rab de Pharaon, c'est Allah. Tifila, dis-moi pas le dis-moi papa qui te dit. Alors,
l'inal crié, l'inal rot son papa Pharaon, l'inal informe lui l'islam de sa madame et comment sa madame fin refuse accepter Pharaon comme bon Dieu. Alors, God fin amène sa madame devant Pharaon et fin dit lui, est-ce que tu n'as pas accepté moi comme bon Dieu? Il dit oui, mon bon Dieu est ton bon Dieu Allah. Allah qui m'aurope et toi ici t'aurope c'est Allah. Alors Pharaon qui fin faire, Pharaon dit ben, si comme ça, je vous donne une punition. Sa madame là, tu as plusieurs enfants. Et elle là-dedans, tu as des enfants, me dit bien petit, tu peux encore allaiter. Quelques mois, quelques jours, quelques semaines, bien bien petit. Alors, Pharaon dit moi pour onze, moi pour construire, moi pour faire construire un grand caraï, un grand caraï, et en ferraille. Et Pharaon dit moi pour faire ça, chauffer une rouge, moi pour prendre toi et tous mes enfants, moi pour mettre là-dedans, comme punition. Ça veut dire pour rôtir dans sa caraille. On nous a trouvé quand mettre quelque chose de caraille longtemps, veut dire par exemple vous mettre crevette ou mettre crevette vivant écrevisse ou crabe, comment vous sautez dans caraille, on était là l'internet, vous mettez 10 moun là-dedans dans caraille, un gros caraille quand il pas capable sauter là-dedans et glisser, il glisser retourne dans caraille là. Madame là, est-ce qu'il définit renonce à l'islam? Madame là, est-ce que les fins capitulées, définitivement, nous tous une sane qui s'en a pas peur quand Dieu peut dire pour tout il dit. Et surtout, pas l'amour vite, un amour veut dire doucement, doucement. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, lui qui fait nous gagner, veut dire patience. Lui qui fait de nous l'endurance. Lui qui donne nous, veut dire ça. Sabat, stabilité dans nos iman. Yuthabbitullahu alladhina amanu. Allah, c'est lui qui fait ben croyant, veut dire, pas glisser, stable. Madame la fin dit à Pharaon, m'a accepté ta punition, mais m'a demandé une seule requête. Quand tu finis, tu es mon bon enfant, tu es moi. Tu prends un drap, tu prends nous ban les autres, tu mets ensemble. Moi avec mes bons enfants, tu entends nous ensemble. Alors Pharaon dit ok, moi pour accepter tes demandes. Mais seulement, moi pour faire toi, guette l'amour de tes enfants avant. Alors il prend un enfant, un zétli là-dedans. Les enfants là, bien sûr, si nous calculons qu'il est arrivé, les enfants là, puis y aller, puis dire, puis souffrir. Après quelques minutes, qu'ils en fallait un mot. Quand sur l'écho, une faune de sa caraille là, une sec, une rôtie, une tuilie, deuxième enfant, troisième enfant, jusqu'à arrive sa petit bébé. Madame là, une paniquée. Maman là, une paniquée. Et ça, c'est une maman qui vous plie comme ça, qui banzoum, ça. L'attachement qu'il y a une maman et une pour ses enfants, surtout quand il peut allaiter, sa muhabbat, sa l'attachement. Alors donc, l'une commence à paniquer. Et nous, une sane, pareil comme dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala peut dire وَكَادَتْ تُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَرَّبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. Quand la maman de Moussa alayhi salam, qui, quand Allah subhanahu wa ta'ala, tu dis, prends ton garçon, mets dans un panier, zéti dans la rivière, il y a un crocodile dans la rivière là. Si Allah subhanahu wa ta'ala peut tenir les kènes, maman ferme, maman là pour paniquer, il pour crier, il pour démasquer lui-même. Parce que ça, c'est une maman, ça, nous, une sane, nous. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il tenir sa madame là ferme. Dans ce moment-là, quand maman là peut paniquer, il peut hésiter. Sa conviction, sa la force qu'il tient, il affaiblit net. Dans sa lèvre-là, sa petit bébé l'a causé. Quatrième enfant qui causait.
Ça, ce bébé-là, qui dit à sa maman-là, il dit à lui, « Oh maman, punition akhirat, plus faux que ça. » Ça, punition-là, il est faible auprès de punition akhirat. Pas hésiter. Alors donc, Allah subhanahu wa ta'ala fait tenir ferme sa maman-là, ce iman. Il trouve ce petit bébé mort devant lui, torturé devant lui, et ensuite, Pharaon fait tuer sa maman-là aussi. Fin shahid, et là, il est dans Jannat, dans le paradis, dans l'écho en zoazo. Parce qu'il est mort shahid, la vie est différente avec nous. Ben shahid, vous êtes dans l'écho en zoazo, dans le paradis. Alors donc, ça c'est quatre enfants qui finissent une preuve, un miracle. Mais qui fait nous payer cause, sa madame-là en particulier, c'est que Iman donne nous l'équerre, frère en islam, dans une fraction seconde, il est capable de disparaître si Allah pas protège nous. Si Allah subhanahu wa ta'ala pas garde nous l'équerre stable, n'importe quel moment, un cyclone passe l'eau nous, nous ne pouvons pas perdre nos iman. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui protège nos iman. Nous pouvons vivre dans une époque quand ça hadith infini commence à devenir vrai. Qui est musulman, vous avez besoin de faire attention avec votre iman. Parce qu'il y a beaucoup d'épreuves qui vous passent l'eau nous, qui sont capables de mettre nos iman en danger. Pas nécessairement arrive-nous, pareil comme servante Tifi Pharaon, mais capable d'arriver d'une autre façon, comment capable arrive-nous dans sa façon-là aussi. Difficulté, dunya, persécution, capable de faire nous glisser. Toute forme de persécution, il y en a aujourd'hui. Quand on trouve dans l'aine, quelle quantité musulman peut subir. Nous, dans nos comfort zone, nous. Nous dormons bien, nous faisons séhri, nous vantons une plaine, nous ne mangeons des repas dans séhri. Là, il y en a parmi nous pour le dormir. Après, nous pour lever comme poisson dans l'eau. Puis, il n'y a aucun problème, nous. Nous peinons un tremblement de terre, nous peinons la famine, nous peinons la guerre, nous peinons la persécution. Tout normal. Mais ça, tranquillité-là, nous prend ça pour l'argent comptant. Alors que beaucoup de gens, quantité de difficultés qu'ils peuvent subir, nous tous les insans, de ce moment-là, capables ou fatigués. Si Allah n'a pas protégé dans ce lieu-là, capable vraiment dire, je ne suis pas capable, je vais renoncer. Combien de gens finissent renoncer? Même dans Maurice, combien de musulmans finissent renoncer? Iman finissent sans religion, pas fausse. Peut-être beaucoup pas connus, beaucoup d'esclaves. Qui finit depuis l'Afrique, si ben musulman. Hein? Seulement, nous ne nous pas connaît parce qu'ils n'ont pas envie de connaître. Ou bien, dans archive qui est confidentielle dans certains ben lieux de culte, qu'assiette la vérité, que beaucoup ben esclaves, si ben musulmans. Et il y a beaucoup ben recherches, une fait l'orat de la part de certains ben frères, qui confirment que beaucoup là-dedans, si ben musulmans, et même Tchina, ben haute personnalité africaine. Ben prince et aussi Tchina, ben imam qui pas d'un autre manger, conversion pas fausse, finena qui aujourd'hui ont disparu. Pendant qu'une trace qu'ils ont croyants. Alors donc, dans l'aine, imaginez, dans l'aine qui peut arriver, ben frère, ben soeur musulman, pas assez qu'ils ont pu gagner, ils ont pu être pénalisés par un travail. Et gagne humiliation au chemin, risque de hijab dans l'école, professeur et élève d'un coup de main pour tirer hijab, l'eau la tête de Bantifi. Facile ça? Bantifi dit Tini, continue Tini même. Quand il peut aller à l'école, tous enfants rappellent des racines sur hijab, l'eau lit, blessent lit, ils retournent la case, le lendemain ils remettent hijab à l'école. Facile ça? Nous ne pas contre ça, difficulté là, parce que, comment nous dire, nous gagnons tout le plateau, nous. Nous sommes devant un peuple ingrat qui est dans la terre, nous, Mauriciens, musulmans de Maurice. Parce que nous ne pas contre
valeur cadeau qui Allah fin de nous, valeur iman qui Allah fin de nous. Nous pas connaît nous, parce que nous pas encore être mis à l'épreuve. Jusqu'à quand? Ça Allah connaît lui. Imaginez, Jumma, beaucoup de monde pas connaît. L'une plus grande démocratie. Qui s'est dit ça? Ça qui je n'ai inventé une fausseté, plus grande fausseté qui s'appelle là, plus grande hypocrisie qui s'appelle là. Mais il y a beaucoup de place pas rien droit faire Jumma dans l'une. Et il y a beaucoup de place quand musulmans réunis pour faire Jumma, la police vient disperser eux. Comme ça, tout le monde peut avoir des difficultés dans beaucoup d'endroits. Par le masjid aussi, ou faire namaz dans la case aussi, ça aussi, les mouchriquins là, vous n'êtes pas d'accord. Ou dans propre la case, ou dans privacy, ou la propriété. Crase toute la case si tu as un peu fait ibadat. Mais est-ce que vous êtes capable de signer ça? Parce qu'il y a tout le monde qui vise à la fin. Ou vous êtes tranquillité pour vivre. Ou vous êtes tranquillité pour madame, pour vos enfants. Ou parler qui, grand matin, ou l'équipe peut battre 100 000 à l'air, ou tu vis à l'école. Ou l'équipe peut battre 100 000 à l'air, ou puis le travail, ou pas connaître qui peut arriver, ou madame dans la case quand vous retournez. Mais dans ce moment-là, il est capable de glisser ça. Il est capable de glisser. Pour cette raison que, Zis Allah, qui peut faire les autres contre les musulmans. Après toute sa persécution là, qui s'en est capable de tenir comme ça? Il faut dire Allah subhanahu wa ta'ala qui donne la force, donne sa résistance. Yuthabbitu Allahu alladhina amanu. Allah qui les fait un croyant, signifiable. Mais nous pas loin de ban événements, de ban circonstances que nous, imams aussi, capables de venir en danger. Dans quelle façon Allah connaît? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit parmi les signes qiyama, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit badiru bil a'mali fitnatan. Fais vite, fais tout bon ibadat qui sont capables. Badiru bil a'mal. Précipitez, fais tout bon ibadat qui sont capables. Pas postpone ou bon ibadat, frère. Si vous avez l'intention pour aller faire Umrah, fais Umrah vite vite, pas tarder. Si vous avez l'intention pour faire Hajj, pas dire plus tard. Si vous avez le moyen, fais-le. Si vous avez l'intention pour marier ou tifi, mais pas tant plus tard. Première occasion que vous gagnez un beau garçon, mariez-le. Pas dire non, mon vie, comment continuer à se motiver encore. Plus tard, non. Quand tu finis, fais tout ce que tu es capable de faire en tant qu'un musulman. Finis faire ou ban ibadat, finis réalise tout ban l'obligation qui est dans l'eau, ou envie de venir hafiz Quran, ou envie aux enfants de venir hafiz Quran, pas tant de finir excessif. Bonne même, finis faire travail là. Parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, badiru bil amali fitnatan. Parce qu'il arrive un moment que tu as une épreuve pour descendre l'eau. Ça va une épreuve qui pour venir là, les différences en là. Persécution, ou bien solide pour résister à persécution. Mais il y a une autre qualité épreuve que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut mentionner, c'est confusion. Quand on peut arriver un moment où pas pour capable de distinguer entre la vérité et la fausseté. Ou pas pour connaître même est-ce que mon corps musulman ou bien mon épi musulman. Ou pas pour connaître ce qui ça qui vous peut faire la vraie ou bien fausse. Tout pour mélanger, pour identifier halal et haram, ou pour besoin faire des efforts ça, ou pour besoin faire djihad pour capable identifier halal et haram, pour identifier qui tawhid qui shirk, ou besoin faire djihad. Alors donc djimoun pour arriver à un moment que djimoun pour n'épi connaître côte vrai, côte fausse. Qui bon, qui pas bon. Parce que pour nous, pour arriver à un moment, il finit commencer sa processus. Normalisation de ban, quelque chose qui est immoral. Normalisation de ban immoralité. Normalisation de ban péché. Normalisation de ban, quelque chose qui islam pas d'accord. Qu'était sa normalisation? Normalisation veut dire, on n'est plus prendre compte, on accepte les.
Nous donnons l'exemple. En 1985, mannequin fini dépasse peut-être cinquantaine pour encore rappel. Quand il y a un problème, moyas mix. Pas réflexe ou tout vient l'osimé. Pas l'osimé. Pas de plein de viettes. Pas de crier, n'arrête pas. Pas comprendre qui était n'arrête pas. Pas de crier. Puis qui fait? Parce que ça, c'est intolérable ça. Inacceptable ça. Moyas mix. Si fait musulman, moi, il ou genzan, rire comme, puis rentre dans la case. Mettez-le au fanflet, mettez-le là dans la causerie, tel endroit, la rue Pagoda, telle madame, il fait tel rire comme, rentre dans la case, puis soutient ce tifi, tel tifi sauvé, tel tifi l'isine, il n'allait. Vous ne connaissez pas à l'époque là? Tout le monde est en alerte. Tu peux causer dans ma zid, dans le djumma, l'océan, partout. J'ai dit au cause ça. J'ai dit au cause mon yasmix. Est-ce qu'il y a une disparaît? C'est ce qu'on appelle normalisation là ça. Une vie normale, une vie quelque chose, mœurs, comment dire, normal, routine ça. Mais chaque moment dans la vie, il y a un haram qui est une vie normale. On ne prend compte. On ne prend compte. Dans sa bonne époque là, même si fille il met une robe jusqu'à ce genou, mais où il y a une prostituée. Ça a été exagération là, tiens. On commence à causer. Papa l'a dans la barbe, qui est civil là, puis moi aussi. Je dis, il m'a dit que saute aussi, il passe devant ma zide aussi, ou pas dire non. Il est normal. Alors donc, fitna pour vivre normal. Quand du monde pour dans fitna net, dit même les pénètes dans la case. Ou imaginez, par exemple, l'époque, quand dans la case, on capable avoir 4-5 enfants, pour une haine li athée, il n'est pas croire dans bon Dieu. Pour une autre, il adopte une autre religion. Pour une autre, vous connaissez ce qui peut passer dans le monde là. L'homosexualité, il fait normaliser ça. Longtemps, il y a deux genders. Normalement, il y a deux genders, non? Fille et garçon, mâle et femelle. Après, il y a un choudouz. Je veux dire, qu'il y a des attirances, zomati avec zom, madame avec zom. Là, il met. Quand on rentre le Facebook, quand on rentre l'Internet, parfois on peut enregistrer le profile, gender, mettez, male, female ou bien, troisième, soit pas dire, soit, à CPNA 3, à ce stade, on gagne droit, dans l'Amérique, on gagne droit enregistrer où, au fini, on remplit au forme, l'acte de naissance, ou gender, on peut nécessairement mettre monsieur et madame, on gagne droit mettre Zako aussi, on gagne droit mettre lycien aussi, ou droit ça. Ou gain droit identifié comme lycien. C'est à l'époque là ça. Pays n'a aucune imposition, au contraire un crime. L'Amérique peut faire ça avec un crime si on impose l'eau aux enfants, il y a un garçon. Si garçon là, il y en a 5 ans, il dit non, papa m'a envie, moi je ne pas content garçon, moi pas content être garçon, moi je suis content d'être un Tifi, si vous pouvez assister au lit, vous allez dans la prison. Nouveau la loi là. Ou bien non, je n'ai pas envie ni garçon ni tifi. La loi veut dire Edli. Et là même, là, dans l'Amérique, psychologue, Shaitan et Solomé, peut mettre psychologue au service de ses enfants. Pour accompagner les autres psychologiquement. Ah, tu n'as pas envie de considérer ta garçon, tu n'as pas envie de considérer ta petite fille, tu as envie binaire, veut dire, ou bien tu sens sans aucune veut dire, identité. Oui. Psychologue là, accompagne-le jusqu'à même donne-le si tu as envie de un garçon. Fais-le, fais une thérapie et aussi donne-le une hormone. Pour faire sur la voie sans aide, pour faire la barbe pousser, qui l'a zéna, hein? 5 ans, 6 ans là. Nous ne pouvons pas cause adultes là, les enfants. Et même témoignage, la semaine passée, une fille témoigner que il y a une adolescente, jusqu'à même qui ban là, une aide-lui pour enlever ce sein, parce qu'ils ont vu une garçon. Donne-lui au monde sur la voie sans aide, enlève ce sein, lui dire. Là, il y a un déboulement dans l'Amérique
il y a une résistance. Il y a beaucoup de gens qui n'ont fait ça. Il compte l'instinct, ça. Il y a beaucoup de jeunes qui peuvent retourner à la source. Non, non, non. À ce moment, réaliser qui mon identité, madame. Tu fais la dire, mon sens qui mon pan fait moi vin infertile, stérile. L'une réelle dans le, veut dire, une fait le traitement qui lui fait un récit sans retourne en partie comme elle y était, comme Allah fin créé. Alors donc, ce que nous pouvons dire, c'est que ce moment-là peut venir quand nous normalise fitna. Normalise, que ça, c'est une preuve qui peut arriver dans le monde. Mais nous, parce que nous de reflète, parce que nous prenons tous à faire leurs en comptant, parce que nous, mentalité mauricienne, moi, mon garçon, il est normal, mon petit-fille est normal dans la case, mon madame couvert, puis elle est toi. Nous prenons sa mentalité là, nous. Mot toi, mon Dieu, t'as le drogué, moi. Mon Dieu, t'as fait ça, mot. Nous prenons sa mentalité là. La plupart parmi nous, on a sa mentalité. Nous, hypocrites, nous ne pas dire. Pas comme ça qui nous fonctionnait. Mot toi, ça n'a chose. Dans prison, toi, persécuté, le talent planting, la drogue, là, pas mon problème, ça. Nous avons sa mindset là, nous avons sa mentalité là, nous. Mais beaucoup de gens ne peuvent pas réaliser ce qui est étonnant, corruption, l'immoralité, quand les filles sortent une place dans l'Amérique ou bien dans l'Europe, ils prennent une certaine létan pour les filles Maurice. Ils ne peuvent pas aujourd'hui pour demain. Parce que Maurice, supposément, un pays, côté là, il y a une éthique, veut dire aussi, nous, on a beaucoup de religion dans Maurice, nous sommes conservatrices. Mais ce qui peut arriver là, c'est très alarmant. C'est ça qui nous besoin. Vulgarise ça va un problème pour comprendre. Parce que sinon, pas pour comprendre, parce que... Non, mais... Pareil comme à Djuré. Il y a beaucoup de gens comme à Djuré. Ou juste lire le Coran quand ma tête en haut autour. Qui est bon, alhamdoulilah. Mais c'est marrant. Vous avez connu qui peut passer aussi, frère. Vous avez connu qui danger le haut aux enfants. Pour demain, ça vous mettre la main sur la tête. Mais mon petit-fils tient Miss Madrasa, jamais passé la télévision dans mon case, passé jamais famille vient contre nous, jamais y a contre qu'une famille, et puis il saute la fenêtre, il allait dans le canard room. Quand arrive ça? Mais quand vous faites comme à Djuré, ou assisé, ou dans Masjid, ou dans Tilawatul Quran, ou qu'on dit pour, ou pas péguit, ou alentour, ou bien vigilant, Shaitan, les papés restent la main croisée, ils travaillent. Ou bien vigilant, fais ibadet comme un djuré, bien sûr, mais seulement en même temps, fais attention au troupeau. Ou il y a un troupeau qui sous responsabilité. Kullukum ra'in wa kullukum mas'oun 'an ra'iyati. Nous tous pouvons être questionnés de nos troupeaux. Alors fais attention, qui demain nous piège nos enfants. Badiru bil a'mal, qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, badiru bil a'mal, fais vite, fais tout bonne action, fitnaten, parce qu'une fitna peut venir. Il paraît comme un morceau de la nuit, morceau de l'obscurité de la nuit. Yusbihu rajul mu'minan wa yumsi kafira. Djimoun, un monsieur, un homme, un djimoun, il peut lever le matin comme croyant et il peut dormir comme kafir. Ou yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Ou bien il peut dormir croyant et il peut lever kafir. Yabiru dinahu li aradu dunya li pou vann se din pour quelques bénéfices mondains. Comme ça, Rasulullah s'en finit clair. Djimoun pou piedi iman, subitement, étonnant. Aux enfants pou venir dire moi athée. Cause vraie, hein? Si daoulaka sa tifi qui ou bien content li lala. Sa garçon qui ou bien content li lala. Il vient dire ou li athée, qui ou ka faire? Avec quelque chose? Non, il ne va pas faire. Pas faire rôle. Non, il ne va pas faire. Comme ça, nous devons faire droit avec Allah, que Allah protège nous. Parce que ça fait fitna qui peut dévier l'Amérique en bas là-haut. Curriculum insensé. Curriculum, l'Amérique insensé. Mais c'est ma conséquence de sa fitna là. Il envahit l'Europe plus qu'il l'Amérique. Parce qu'il Amérique conservatrice, je te religieux, je t'américain. Amérique religieux terrible, chrétien. Il y a beaucoup payé la guerre, ban société, ban ONG chrétien.
juif. Je peux la guerre contre sa complot qui gouvernement américain peut faire. In sans curriculum peut faire bans enfants, peut protéger bans enfants, puis encourage enfants pour sans autre identité. Mais conséquence là, une finit désastreuse pour les Européens, l'Angleterre, la France, etc. Pire. Mais ça qui alarmant, frère en islam, sans être paranoïa, sans qu'il nous dise non, ça même ça, nous pas qu'à précipiter pour faire une conclusion, pour tirer une conclusion, mais assez bizarre, et gouvernement nous fait droit, parce que nous, nous musulmans, hindous, chrétiens, nous tout concernés par bien-être nos bons enfants. Parce que toute religion, qui se prône, nous différence avec toute religion, c'est concernant croyance, akrida. Mais éthique, nous tout pareil, nous. Pas coquin, pas faire dimondito, pas faire injustice, respect, toute religion prône ça. Ça veut dire, quand demain, sa forme de corruption pour venir dans Maurice, il n'est pas concerné seulement une communauté, il concerne nous tous. Alors, parfois arriver, quand ça pour descendre Maurice, il concerne nous tous, et parfois, pression internationale capable de venir le gouvernement, qui gouvernement peine à choix, pression, pareil comme un problème LGBT, et si il a un droit de faire un mariage LGBT, pression, gouvernement réticent, Américain dit, hey, tu as envie de disparaître? T'as envie de nous vivre au gouvernement Balao, t'as envie de nous faire toi mot de fin. Le gouvernement n'a pas fait non rien. Alors, pour faire arriver, le gouvernement prend tout, il subit la pression. Mais ce qui derrière sa proposition-là, il y a un autre jeu qui peut dérouler derrière, nous espérons que non. Puis, propose pour faire un kindergarten, une école maternelle, une grand aide. Tout le monde est content. Masha'Allah, vous payez tout, professeur, vous payez tout. Inch'Allah, une bonne affaire. Mais est-ce que, peine qu'il soit un cadeau empoisonné, ça? Nous ne pouvons pas dire, les bizarres comme ça, nous peut dire, on your God, vigilant, attention, ça vient comme ça. Et ça, vigilant, ça, pas juste pour musulmans. Toute communauté, bizarre, vigilant, attention, il y a une pression qui derrière peut venir. Si ça finit, envahir l'Amérique, il envahit l'Europe. Mais qui fait? Maurice, exception là-dedans. Nous ne connaissons pas. Est-ce que Grant Aided là, un cadeau empoisonné, ben, si tu peux payer ton professeur, je peux donner toi Grant, donne-toi de l'argent tous les mois, ben, est-ce que curriculum là, il est pour contrôler par gouvernement ça? Si il est pour contrôler par gouvernement, est-ce que gouvernement pour amener sa banne dose par dose pour mettre ça là-dedans? Allahu alam. Pas connais moi. Mais ce qui est important, c'est que nous avons besoin de faire beaucoup attention. Nous avons besoin de faire droit. Nous disons, fais droit pour ce gouvernement-là, peu importe qui gouvernement vient, qui ne tombe pas dans sa pièce, qui ben les autres pays finissent tomber. Résister pour qui nous sauve nos bons enfants. Quand nous disons nos bons enfants, Mauriciens, nous sauve nos bons enfants qui ne tombent pas là-dedans. Mais qui fait nous gagner plus pire quand nous guettons sa clip KFC-là? Quand on vend les légumes, ou vendre pomme de terre, quand vous faites publicité, qui vous mettez? Vous mettez pièce loto? La tête pas bon. Si vous vendez des légumes, vous avez besoin de faire réclame pomme de terre. Pas faire réclame pièce loto. Mismatch. Ou on a magasin la toile. Ou pas faire réclame la viande. Parce que tout le monde comprend ça. Juste dans l'asile, tout le monde ne comprend pas ça. Mais Kentucky, quand il fait publicité, qui publicité a besoin de faire? Poulet. Rap, Zinger, ça qui nous a fait publicité. Mais qui publicité nous fait là? Qui publicité KFC nous fait? KFC nous fait une publicité, c'est un qui est important là, quand nous assistons tout ça là, nous pas prend, nous pas tirer conclusion, mais seulement il crée interrogation. KFC Mauritius fait une publicité. Commence par, au bout de le billboard, il y a un individu. Il ni ressemble à un homme, ni ressemble à une madame. À l'observe, sa billboard là. Capable de dire, ok, non, tu as trouvé comme ça, je trouve une madame, ok, pas de problème.
dans publicité qui coûte à peu près 4 à 5 minutes sa publicité là, et nazis 3 messages. Pena ni poule, ni poulet, ni zinga, ni non rien. Et nazis 3 messages. Numéro 1, premier message, faire ça qui t'a envie. Faire ça qui t'a envie. Qui veut dire faire ça qui t'a envie? Lire entre les lignes, il est important ça. Faire ça qui t'a envie. Ça veut dire, pas obéir à tes parents. Pas obéir à tes parents. Pas obéir à l'imam. Pas écoute, dis-moi, tu as fait ça qui t'a envie, toi. Deuxième message. Pas suivre instruction. Pas suivre instruction. Qui relation est là avec Zinger? Pas suivre instruction. Qui veut dire ça? Commandement de ton Coran. Et ça donne quoi? Commandement de la Bible, toi chrétien. Arrête de suivre la Bible. Arrête de suivre le Coran. Arrête de suivre guitare. Arrête de suivre ces bonnes affaires-là. Pas suivre instruction. Troisième là, daming net ça. Vine ça qui t'a envie. Vine ça qui t'a envie. Trois messages. Est-ce qu'il y a une relation avec Kentucky? Nous besoin, frère, je pense dans chaque mazid ou bien chaque organisation, nous avons un monde qui veille l'eau, qui peut arriver dans le monde. Trop vite ça, ça qui peut arriver là. Ça qui, alors, maintenant, c'est nous expectons ça. Ça qui peut arriver l'Amérique, dans l'Europe, pour en dommage, pour venir l'eau pays arabe, après quelques mois. Ensuite, nous, tiers monde, nous, Africains, nous. Après, les poutous, nous. Mais sa vitesse, qui une scène saute là-bas, une descend en nous, comme ça, ça va nous qualité dialogue là. Mais là, grave. L'eau, camion, Pepsi. Il y en a trois, du monde. Un petit fien garçon, et un peu assisé, ou pas capable d'identifier lui qui sexe. Nous pas cause homosexualité là. Hein? Comme homosexualité, on connaît un homme. Mais c'est pas une tendance, monsieur. Une lesbienne, une madame, vous trouvez une petite fille, mais c'est pas une tendance. Pas ça, ça, hein. Elle get ça, nouveau fitna qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam entre autres fin prédire. Donc frère en islam, nous dans Ramadan, qui nous va faire? Faire doua avec Allah en premier, qui Allah protège nous iman, qui Allah subhanahu wa ta'ala protège nous bons enfants, qui Allah subhanahu wa ta'ala fait nous vivre avec iman et mots avec iman. Nous bien demandons Allah subhanahu wa ta'ala quand nous, dans nos présences protège nous bons enfants, parce qu'il y en a du monde dans notre présence, nos enfants peuvent être dissimés. Dans nos absences dans le travail, quand nous étions, nous en déo, nous capions dit nos enfants. Protège-nous, nos bons enfants, nos familles, dans nos absences, et protège-nous, nos bons enfants, après nous la mort. Sinon, frères en islam, difficile, fais doigt qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne-nous la compréhension. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.